C'est quoi l'avantage? C'est qu'on fait le traitement dans un jour. Par exemple, vous venez le lundi, on fait le plan, on traite le mardi, et le mardi soir, vous prenez l'avion et vous pouvez retourner chez vous. Cancer de poumon, cancer du sein, maligne mélanome ou des différentes tumeurs, ils font plutôt des métastases cérébrales. Pour les métastases cérébrales, on peut faire la chirurgie et on peut faire aussi la radiothérapie stéréotactique. Bien sûr que la radiothérapie stéréotactique est beaucoup plus facile que la chirurgie. Par exemple, vous voyez ici un malade qui a des métastases de cerveau. Vous voyez ici deux différentes métastases, une troisième, une quatrième, une cinquième. Donc pour cette malade-là, il y a cinq différentes métastases dans le cerveau. Avec cette linéaire accélérateur, avec Electaverse HD, on fait un traitement dans un jour pour cette cinq différentes métastases. Normalement, on peut faire la chirurgie pour une métastase plus que deux. Mais ici, il y a cinq différentes métastases, on fait un traitement dans un jour et le traitement dure à peu près 15 minutes. C'est un grand avantage. Les cibles, ils sont très très petits. Vous donnez une dose vraiment très importante dans un jour et comme ça, vous voyez, vous ne touchez pas le cerveau et comme ça, vous pouvez protéger les fonctions mentales pour les malades. Par exemple, c'est un autre malade c'est un cancer de poumon qui a fait métastase au cerveau. Comme vous voyez, il y a des métastases qui sont dans des différentes localisations. Ce qui est important, par exemple, pour ces métastases-là, on peut donner une dose un peu élevée. Mais pour ces deux métastases, on ne peut pas faire une irradiation très forte parce qu'il y a des organes critiques autour de cette métastase. Qu'est-ce qu'on fait avec cette linéaire accélérateur, avec le Versa HD? On dit aux machines de donner une dose très grande ici et un peu plus petit que ici. Vous voyez les couleurs qui sont différentes parce que ça, c'est la dose qui est élevée. Ces deux doses, ils sont un peu bas. On fait le traitement pour quatre différentes cibles dans 15 minutes, dans un jour. On n'a pas besoin de dépenser beaucoup de temps pour irradier tout ça. On fait une irradiation, mais tous les tumeurs, ils ont des différentes doses. C'est la différence de la radiothérapie stéréotactique.